L'ancien Premier ministre Noureddine Bédoui placé sous mandat de dépôt. Noureddine Bédoui est poursuivi pour des affaires de corruption liées à l'abus de pouvoir, à la dilapidation de deniers publics et à l'obtention d'indus avantages. Des accusations qui remontent au temps où il occupait les fonctions de Wali de Constantine entre 2010 et 2015. Placé sous contrôle judiciaire depuis septembre 2021, Noureddine Bédoui était appelé à se présenter régulièrement devant le juge d'instruction de la 3e chambre du pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi Mamed à Alger. Selon Echoroc, le juge d'instruction en charge de l'affaire a décidé dimanche dernier de maintenir Noureddine Bédoui sous contrôle judiciaire et de lui retirer son passeport. L'ancien wali de Constantine est poursuivi dans plusieurs affaires, notamment l'octroi de marchés de gré à gré à des entrepreneurs sans le respect des règles, pillage et détournement illégal du foncier. Octroi de foncier industriel de manière contraire au règlement et à la législation au profit de certains investisseurs fictifs, indique la même source.